dans ma série des riffs classiques, je vous montre la toune qu'à chaque fois que je la joue en spectacle, toutes les filles de l'assistance se retournent puis ils font ça. C'est ma toune! Ouais, sans farce. Alors messieurs, prenez des notes, aujourd'hui je vous montre Don't Stop Believing du groupe Journey. On est parti! Alors pour l'introduction, je vais vous montrer une version à la guitare de ce que le piano fait. En réalité, les accords, c'est simplement Mi majeur, ensuite on a un Si majeur, Do dièse mineur et un La majeur. Et par la suite, c'est Mi majeur, Si majeur, Sol dièse mineur et La majeur. Alors, vous pouvez le faire sans problème comme ça avec les accords. Dièse mineur, La majeur, Mi majeur, Si, La majeur, Do, Sol dièse mineur et Par contre, moi, ce que je fais en spectacle, je fais quelque chose qui ressemble un petit peu plus au piano, comme il y a déjà une base, donc je fais ce qui suit. Ce sont les mêmes accords, c'est juste que je les joue sur trois cordes seulement. Alors, le premier, le Mi, je fais 4e fret de la corde de Sol, 5e fret de la corde de Si et 7e fret de la petite corde. Alors, on a 4, 5, 7, comme ceci. Ça, c'est le Mi. Ensuite, ce que je fais, je garde le doigt ici à la 4e fret, je le garde sur la corde de Sol. Ensuite, mon petit doigt vient barrer 7 et 7 sur la corde de Mi et la corde de Si. Comme ceci, donc depuis le début, on a... par la suite, je vais barrer 4 et 4, corde de Sol, corde de Si avec... l'index et mon petit doigt va venir à la petite corde à la 7e fret. Donc ça c'est mon Do dièse mineur et je fais un La majeur dans la même position sauf que je vais tout descendre de 2 frettes. Comme ceci. Et pour le rythme, je commence avec un coup par le haut. Donc en réalité, je touche les deux petites cordes en remontant. Et quand je redescends, je touche les trois ou les deux ici, sur ici. Comme ceci, sur chaque accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et le deuxième coup, il y a un accord qui change. Le premier, le Mi, c'est pareil. Le Si est pareil. Et pour le Sol dièse mineur, je fais simplement que barrer 4, 4, 4 avec mon index. Donc on fait ça, je crois que c'est 8 fois dans l'introduction. Et le dernier coup, je fais comme une petite montée avant de passer au prochain riff. Ça va comme suit. Là, c'est Sol dièse mineur. Le riff du couplet va commencer ici à la 16e frette. Alors avec notre index, on va barrer 16, 16, 16, corde de Ré, corde de Sol et corde de Si, comme ceci. Par la suite, on va donner deux coups de palm mute sur la corde de La. Donc 16, comme ceci. Et par la suite, on garde la même position avec notre index. Sauf qu'on va venir à la 14e fret. Ce qui est un La, soit dit en passant. Alors c'est Si, La. Ça, c'est la première partie du riff. Alors on a 16, 16, 16, deux coups de palm mute. 14, 14, coup de palm mute. Et ici, la petite variation que je fais, c'est simplement 16, 16, 16. Et le deuxième coup, je rajoute mon majeur à la 17e fret de la petite de la corde de Si, donc la deuxième corde. Comme ceci. Ensuite, la deuxième partie de ce riff-là, ça va être le même principe,
Sauf que au lieu de palmuter la corde de La, on va palmuter la corde de Mi, la grosse corde. Alors ça va être 9, 8, 7, comme ceci. Ça, soit dit en passant, c'est Si. Et on va faire un Mi par la suite. On va barrer 9, 9, 9. Donc ça donne. Comme ceci, donc Si, c'est 4 coups de palmute en chaque, soit dit en passant. Alors, ça, je vous fais le riff une fois au complet. Passe à la transition entre le couplet et le refrain qui va comme suit. C'est un power chord à la deuxième frette sur la corde de La. Donc 2, 4, 4. Ensuite, c'est un La. Non, c'est un Mi, pardon. Comme ça, c'est un Si, Mi, un power chord de Mi. Et encore une fois Si, deux fois La. Comme ceci. Donc, avec le riff au complet. On est maintenant rendu au vrai de vrai riff, le riff du refrain qui va comme suit. On commence sur un Mi majeur. En fait, c'est un Mi majeur. Mais ce que je vais faire, moi, c'est que je ne jouerai pas le Mi majeur avec l'index ici. Ce que je vais faire, c'est qu'avec mes deux doigts ici, avec mon troisième doigt qui est ici, je vais simplement baisser un petit peu mon doigt pour bloquer la corde de sol, ok? Alors, en réalité, cette corde-là, on ne l'entendra pas. Donc, on peut frapper sur notre guitare. Celle-ci est bloquée, ok? C'est vraiment ça qui est important. Et on a les deux petites cordes qui vont être dans le vide. Donc, je fais ceci, je joue les trois premières cordes. C'est comme ça que le riff commence. L'avantage de ça, c'est qu'au lieu de faire un vrai Mi majeur, la corde ici est protégée par notre doigt. Donc c'est sûr qu'elle ne sonnera pas et on est sûr de faire sonner que les deux petites. Et en plus, ça sonne plus rock, un accord plus power chord comme ça qu'un accord majeur. Okay? C'est des petites subtilités, mais c'est ça qui fait le rock and roll. D'accord? Donc, première partie du riff, c'est simplement un Mi et on touche les deux petites cordes comme ça par en haut. Ensuite, avec un troisième doigt, on vient à la quatrième frette de la grosse corde. Et par la suite, on fait corde de La à vide et deux sur la corde de La. Alors, 4, 0, 2. Et on y met du feeling, du vibrato, comme ceci. Ensuite, ça va être 4 sur la corde de La, 1 sur la corde de Ré, on revient à 4, donc depuis le début, 4, 0, 2, 4, 1, 4, par la suite, on fait 1, 2, et on va venir piquer les deux cordes La et Ré ensemble ici pour faire un power chord de La. Comme ceci, donc depuis le début. Et avant de revenir au Mi, on va faire 1, 2 encore une fois. Donc au complet.
Merci. Et on a une partie qui diffère un peu le deuxième coup. Ça va comme suit. Donc, c'est le bon vieux mi du début. Ensuite, 4, 0, 2. Ensuite, on va faire 4 avec notre troisième doigt sur la corde de la. Et on va glisser jusqu'à la sixième fret de la corde de la. Et on va faire un power chord à la quatrième fret de la grosse corde, qui est notre sol, qui est notre sol dièse mineur. Pour les coups de picking, je le fais toujours selon le feeling du moment. Alors, il faut juste rester dans le rythme, évidemment. Alors, pour le riff au complet, ça va comme suit. Complète notre tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas que vous pouvez apprendre toutes les techniques dont je parle durant ce vidéo sur mon nouveau cours sur la guitare électrique dans l'école en ligne au www.jejoue-de-la-guitare.com. Abonnez-vous à la chaîne. C'est une obligation pour regarder mes vidéos. Donnez-moi un thumbs up. Envoyez-moi un petit commentaire. J'apprécie toujours. Et sur ce, à la prochaine. Bye bye.